Hello, bonjour. Je vais parler du prince Harry. On va parler de son discours, hein, le discours qu'il a fait au ESPY Award, le discours que j'ai d'ailleurs traduit, que vous avez beaucoup apprécié. Merci encore pour les messages. C'est un discours qui a inspiré la plupart des Américains qui ont regardé la cérémonie. La cérémonie a été diffusée sur la chaîne principale ABC, c'est une chaîne de grande écoute, hein. Les Américains, notamment les vétérans, ont applaudi le prince Harry. Ils découvraient en fait un prince Harry que le monde ne leur avait pas montré. Quand je dis le monde ne leur avait pas montré, il faut dire que le peuple américain, quand il s'agit des informations, il ne regarde pas trop à l'extérieur de l'actualité américaine. Il n'y a que, par exemple, les fans de la famille royale qui regardent, à moins que ce qui arrive en Angleterre soit tellement grand que bah, c'est une information qui devient virale, comme ils disent. Et ils ont été étonnés d'apprendre que le prince Harry est un vétéran de guerre, qu'il a créé les Invictus, parce que toutes les informations qu'ils ont, ce sont des informations provenant directement des tabloïds. Donc, ils ne savaient pas ça. Et justement, le discours de Harry était tellement bien fait, la personne qui a fait ce discours, soit le prince Harry, soit Meghan ou alors l'équipe, a été très intelligente dans ce discours-là de rappeler ce que le prince Harry avait fait et pourquoi son organisation se battait, notamment les vétérans. Un très beau discours qui a permis aux Américains de découvrir le prince Harry, de découvrir son œuvre, son action et son travail auprès des communautés les plus démunies. Donc, c'est en fait ça le génie de ce discours-là, c'est que non seulement il était très humble, il mettait en avant les vétérans, mais en plus de ça, il donnait des informations au peuple américain, ceux qui voulaient bien écouter, ceux qui étaient intrigués par toute cette histoire de polémique autour du prince Harry et le fait qu'il ait ce prix-là. Donc, ceux qui ont écrit le discours du prince Harry ont été très intelligents de parler justement de tout ce que le prince Harry a accompli, ce qui a ouvert les yeux aux Américains, hein, et ce qui a permis aux Américains de dire qu'ils étaient manipulés par une presse mensongère. Donc, il y a eu des réponses, hein, sous les vidéos du prince Harry. Non seulement ça a ému les gens, mais en plus ça les a renseignés, ça leur a montré ce que le prince Harry avait fait. Donc bravo aux personnes qui ont écrit le discours, le prince Harry, Meghan Markle et l'équipe si possible. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.